Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis au volant de mon bolide, mon petit bolide allemand, tu vois, que j'ai acheté hier. Bon voilà, tu vois, y a pas de galère, y a pas de voilà. Auto-école Ouais les gars, je passe le permis. Enfin, je passe pas le permis, je fais mes heures de conduite, t'as capté. Je suis à ma troisième heure. Du coup, vous allez voir mon évolution de mes heures de conduite. Je vais essayer d'avoir le permis avant 2024, Inch'Allah. C'est parti, les gars, c'est parti. Je conduis trop bien. Bon, là, je viens de finir là. La vérité, c'est pas facile de conduire. Hein. Parce que, moi, la vie de ma mère, quand il me parle, c'est pas vous, hein. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je suis là, Mais la vie, je comprends rien. Genre, le temps que ça aille à mon esprit, que ça comprenne. La vie, je comprends quasiment rien. Attends, mais j'ai une petite question là. Depuis tout à l'heure, je parle, mais t'as toujours pas fait des compliments sur ma doudoune. Wesh! En mode don't worry about your car getting dented. If I jump, I'll swing my shank. Piss man's lungs and I fucking mint it. Stack my. Bref, non, je vous en parle. Attends, j'ai plein de trucs à vous dire. La vie, cette semaine, c'était gay et bien. T'es à Paris. Là, je viens de revenir à Bordeaux. Je suis revenu hier soir et tout. Wesh, elle est pas incroyable. Même lunettes. Lunettes Prada, mon gars. Doudoune, 400€. Prada, 350. J'ai acheté une paire de chaussures aussi. Jordan 1, incroyable. T'as quoi? Ah, c'est du faux. Ah, merde. Là, je rigole, les gars, tout vient de clic en cours. Tout vient de clic. La doudoune, je l'ai acheté 100 balles. Lunettes, 15€. Je fais un petit haul après. La vie de la mère, incroyable. Bref, du coup, là, j'étais sur Paris. Je suis allé pour voir ma famille, du coup. Mais aussi, j'en ai profité pour essayer de trouver mon stage. Parce qu'en fait, je suis en BTS et j'ai deux stages à faire. Et du coup, là, je vais vous donner mes conseils. Comment trouver un stage sûr à 100%. En vrai, je dis un stage, mais que ce soit une alternance ou même un travail, hein, pourquoi pas. Mais bref. Bon, du coup, là, pour commencer, utilisez tous vos contacts. Tous vos contacts que vous pouvez. Que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit les parents des amis et tout. Parce qu'aujourd'hui, le piston, c'est une dinguerie comment ça marche. Deuxième chose, CV, lettre de motivation. Juste ça. Vous faites un méchant CV, une méchante lettre de motivation. Vous avez tout gagné. Oh ouais, j'ai un arc-en-ciel. Bref, ma lettre de motivation, vous allez je vais vous la lire, comme ça vous aurez un méchant exemple. Je vous tiendrai au courant donc dans le prochain vlog. Du coup, abonne-toi là. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. T'as dû voir la doudoune, t'es obligé de t'abonner normalement. Mais bref. Yo. C'est un peu tard pour ça. Bon, il est 2h39 du matin. Ok. J'ai un peu dormi. Non, j'avoue, là, je fais que regarder Lupin, frère. Wesh. J'arrive pas à m'arrêter. Pour moi, regarder une série, c'est vraiment le truc le plus nul que tu puisses faire. Non, vraiment, je suis très sérieux. Genre, c'est exactement concrètement ne rien faire de sa vie. Et moi, j'aime pas rien faire en mode. C'est comme si, ben voilà, je faisais rien en mode là. Ensuite, on se retrouvera dans la cour. Bref, en gros, oui, on fait rien. Et moi, j'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire là. Oh! Madame, monsieur, pour être honnête avec vous, ça fait 5 fois que je recommence cette lettre. Comment me démarquer des dizaines d'autres candidatures que vous avez sûrement dû recevoir? Hormis le fait de vous dire que je suis motivé, dynamique et enthousiaste comme tous les autres, je pense avoir quelque chose d'unique que personne ne possède. Mon authenticité. En effet, c'est avec cette dernière que je vous propose ma lettre de motivation plutôt originale, reflétant à la fois ma personnalité et ma créativité. Je suis un jeune créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui émerge dans ce milieu avec des ambitions folles. En parallèle, j'effectue une formation en BTS NDRC. Ceci étant, j'ai des rêves plein la tête que je compte bien réaliser. Faire un stage dans votre agence serait pour moi un tremplin pour mon avenir. Et puis, si vous accrochez sur le profil, pourquoi pas envisager une future collaboration? Vous ne serez pas déçus. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Mes salutations distinguées. Elle est pas incroyable cette lettre de motivation, s'il vous plaît. Se démarquer des autres, les gars. Toujours se démarquer des autres dans cette vie. Moi, mon gars, je peux pas rester comme tout le monde. C'est pour ça que là, actuellement, le BTS, j'avoue que ça me freine un peu parce que je suis obligé de faire du 8h-18h toute la semaine. Mais c'est pas grave. Non, franchement, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous, là, regarde, si c'est normal, je vous mets cette candidature, vous me prenez ou pas? En vrai, de vrai. Attendez, sinon, vous avez vu ma coupe de cheveux, wesh? J'ai tressé et les nattes, elles sont parties. Mais je trouve que ça fait gavé stylé. Ah, j'aime trop. Vous en pensez quoi? En mode tresse et lâché derrière. Bref, du coup, j'ai acquis une nouvelle coupe, les gars. J'ai acquis une nouvelle coupe. Qui peut m'arrêter? Du coup, là, programme du jour. Je vais essayer de finir de monter ma vidéo YouTube. Deuxième chose, faut que je fasse un TikTok aussi. Avec ma doudoune, là. Elle est là, elle dort. Oh, faut que je la rentre, la vérité. J'ai trop d'idées en plus. Bon, allez, en tout cas, sur ce, là, faut bosser. Bon, je suis désolé, j'étais censé passer toute la soirée à travailler. Mais en fait, je suis dérangé. Dans mon travail, je suis dérangé. On m'a demandé de sortir. Faut aussi penser à ses amis dans la vie. Les gars, il y a le match. Après, c'est Ngannou contre Fury, je sais pas quoi là. C'est parti. Non, c'est pas là. On a rejoint le gros Emmanuel. Le gros Manu. Putain, j'arrive pas. Gros Manuel. Gros Manuel. Là, je vais envoyer Michel à la maison.
On va voir le Watt, c'est parti. Tu sais qu'il il a dit à tout le monde, à tous ses meilleurs potes, il a dit... Attends, c'est Nora. 23h, 23h de temps d'écran. Oh, vous ne rêvez pas, 23h de temps d'écran. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est là où c'est fini. Les gars. Oh, Sangano a perdu. J'ai l'impression que c'est moi j'ai perdu. C'est terrible. Yo le rap. Même quand je fais des Ferrari qui dérape. Je viens de la cité. Je mets ma casquette sur le côté. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et regardez le temps. Aujourd'hui il pleut. Ça veut dire aujourd'hui les gars, full montage. Attendez, mais je viens de penser à un truc. Je vous ai pas montré le nouvel ensemble que j'ai acheté. Oh, je vous montre ou pas? Bon, attendez, juste avant ça, les filles, je vais vous expliquer c'est quoi le maquillage des hommes. Il n'y a d'autre que ça, les gars, ça. Screeny, c'est vraiment ça qu'il faut prendre. En mode, tu mets là, boum, 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 boum. Tes contours, là, juste avant, j'avais pas les contours. Get, mon gars. Ça, c'est un petit secret, les gars, je suis désolé, je dis vlog. Il est 2h du matin, oui. Et alors, tu vas faire quoi? She don't listen to UK rap. If it ain't Dave or Cinch, she a six, but her friend is a four. A freeway gonna make that ten. Are you sure you wanna make that wife? We know her since way back when. If it's a rose, then it gotta be a colour. Apparemment, c'est la plus rien. Prochain voyage, Londres. Londres, les gars, Londres. Il est 2h du matin. Je fais incroyablement du bruit. Papa, maman, si vous voyez cette vidéo, je suis désolé. Mes petits frères, je suis désolé. C'est pour nous faire sortir de cet endroit que je fais tout ça. Vous allez voir, dans quelques années, vous allez me remercier d'avoir fait tout ce bruit. Eh, je sais pas vous, mais ce genre d'outfit, je me sens tellement beau que j'ai jamais envie de le mettre. Parce que j'ai pas envie de le salir. À part si je suis invité à un défilé. Invitez-moi à un défilé, s'il vous plaît, ceux qui regardent cette vidéo. Trouvez des contacts et invitez-moi. Encore, moi, j'ai un rapport avec le faux, les faux habits, les faux vêtements, les fausses paires. Moi, franchement, je m'en fous totalement, vraiment. Et je comprends pas les gens qui disent, qui critiquent, enfin. En vrai, je sais pas, importe ce qu'on veut, si on n'a pas vraiment le... Moi, mettre plus de 100 euros dans une paire de chaussures, pour moi, c'est trop. Les blacks, 120, 130 max. Il y en a, ils mettent 400 balles. 400 balles pour ça. Non, moi, c'est trop, je pourrais pas, moi. Ou alors, des collabs. D'ailleurs, les collabs, là. Envoyez-moi des trucs, là. Comme ça, vous mettez bien un peu, là. Tous les Puma, les Nike, là, les Adidas. Envoyez-moi des trucs, wesh. On se retrouve la semaine prochaine. Tous les vendredis à 18h. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et active la cloche. Laissez-moi juste 2 ans. 2 ans et je serai là. Attendez seulement, là je suis encore dans ma chambre là. Attendez seulement tous les week-ends là, les ZX Vlog. Je vais les faire à Punta Cana, à Londres, à Miami. Vous êtes fous quoi. J'ai trop d'ambition, c'est une dinguerie. Bref, en tout cas, je vous aime fort. Gros bisous, on s'attrape.